Samedi 20 avril, le Moulin des Écrevisses à Issournois organise une journée de la gastronomie. Le directeur de l'établissement, Louis Cosette, nous en parle. Bonjour Monsieur Cosette. Bonjour. Vous êtes le directeur et gérant du Moulin des Écrevisses à Issournois. Est-ce que vous pourriez présenter rapidement votre établissement ? Alors, le Moulin des Écrevisses, c'est un établissement situé à Issournois, dans le sud amiennois, une vingtaine de minutes au sud d'Amiens. Qui à la fois représente plusieurs expériences. On retrouve un restaurant gastronomique, on retrouve également une partie séminaire événementielle, à la fois pour les événements privés, les événements professionnels. Voilà, c'est tout un ensemble avec un traiteur également sur des prestations à l'extérieur. Ce samedi 20 avril, pendant la journée, vous organisez la 7e édition de la journée de la gastronomie. Quel sera le programme de cette journée ? Alors, cette 7e édition, en effet, une journée gastronomique qui réunit à la fois tous les acteurs de la gastronomie du territoire, donc les producteurs bien entendu. On a un très bon marché qui se déroulera toute la journée, qui est en entrée libre, qui réunit des fournisseurs du moulin mais pas que, c'est-à-dire qu'on a ouvert à l'ensemble du territoire. L'idée, c'est une journée dédiée aux personnes qui font vivre la gastronomie au quotidien de notre localité. Donc, on retrouve à la fois des animations pour les enfants, des ateliers culinaires où il est important de s'inscrire. Je tiens bien à le signifier auprès de l'Office du tourisme Avre-Lucenois, qui est notre partenaire pour cet événement. On retrouve des démonstrations de chefs, on va retrouver un concours de la ficelle picarde qui est ouvert à tous. C'est un plat traditionnel qui réunit l'ensemble des familles. Donc n'hésitez pas à porter votre ficelle picarde. Donc il y a des heures bien déterminées entre 7h et 11h avec une dégustation par un jury. On aura également un vainqueur, plusieurs vainqueurs avec des lots participatifs. On va retrouver également des jeux picards, le marché bien entendu, qui sera ouvert tout au long de la journée. Voilà, c'est vraiment une journée riche en échanges, dédiée aux familles, au grand public. On est d'accord, Monsieur Cosette, cet événement correspond pleinement aux valeurs de votre établissement. Les valeurs du Moulin des Écrevisses, c'est surtout, elles se traduisent par son ancrage territorial. On est très ancré socialement avec nos collaborateurs. On est ancré aussi pour faire vivre l'économie du territoire, les producteurs qui nous animent, qu'on présente d'ailleurs autour de chaque mets du restaurant. On aime les mettre en valeur. Donc aujourd'hui, c'est une journée qui leur est dédiée et qui est dédiée à nos clients pour faire un petit peu vivre les lieux qu'est le Moulin des Écrevisses. Merci beaucoup, Monsieur Cosette. Grand plaisir. Merci à vous. Au revoir. Au plaisir de vous accueillir le 20 avril entre 10h et 18h au Moulin des Écrevisses. C'est bien noté. Merci encore. Merci.